les filles, je suis ravie de vous retrouver donc pour un nouveau make-up d'été. Donc ce sera toujours pareil avec la palette donc Shimmer Warm Metal Mania. Voilà, qui a vraiment des couleurs très irisées et assez sympa. Donc si ce genre de make-up vous plaît, je vous dis à de suite pour le tuto. J'ai déjà donc appliqué ma Primer Potion d'Urban Decay sur toute la paupière fixe, mobile et en ras de cils. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat comme celui-ci. C'est un ELF Eyeshadow Sea Brush que je prends toujours pour mes paupières. Là, il est très très bien. Maintenant, nous allons prendre la palette donc Shimmer Metal Mania. Et nous allons donc prendre la couleur, je ne me trompe pas. Alors, c'est une couleur, c'est un rose irisé, mais alors vraiment très très pâle. Ce serait celui-ci, donc. Est-ce que je vous montre le bon quand même? Voilà, ce serait celui-ci. Donc, je vais venir en prélever. Et je vais venir le déposer sur toute ma paupière mobile. Voilà, une fois que ceci est fait, on va prendre la couleur qui est légèrement au-dessus. Je vais venir le mélanger à la première, ce qui donne un côté un peu plus satiné au premier fard. Une fois que ceci est fait, je prends un pinceau boule, c'est-à-dire, hop, je pose ma palette. Ce genre de pinceau-là, en fait. Voilà. Donc, c'est le ELF Contour Brush. Qui est très très bien aussi pour déposer en creux de paupières. Et donc là, cette fois-ci, on va prendre cette couleur-ci. Alors, c'est un corail un peu plus clair qu'un corail normal, mais avec des reflets un peu plus rosés, abricots. Donc je viens en prélever sur mon pinceau. Et là, je vais donc dessiner la forme de mon maquillage. Je fais dépasser sur la paupière immobile. Je vais en creux de paupière. Je reprends de la matière. Je reviens dessiner en montant bien sur la paupière immobile. Je vais à peu près à moitié. Là maintenant, je vais prendre un pinceau fluffy, comme ceci, et je vais venir flouter les bords, tout en revenant dans le coin interne de mon œil. Voilà. Là, ceci est terminé. On va reprendre donc la même couleur. Avec cette fois-ci un pinceau comme ça, je viens juste déposer pour intensifier dans le coin externe, à peu près à moitié, hein, pas plus. Déposant le creux. Une fois que ceci est fait, je reprends donc mon pinceau plat de tout à l'heure et je vais revenir donc prélever la première couleur que nous avons pris, c'était celle-ci. Je repose sur la paupière mobile. Je reprends la couleur qui est au-dessus. Celle-ci donc. Voilà, une fois que ceci est fait, nous allons prendre un tout petit pinceau fluffy que moi j'utilise pour mon highlight. Donc ça c'est un Yves Rocher, hein, tout simplement. Et nous allons prendre la deuxième couleur de la palette. C'est un blanc cassé en fait. Et je viens le déposer sous mon marqueur sourcilière. Voilà, là, nous avons fini avec la palette. Maintenant, nous allons prendre un fard à paupières d'Yves Rocher. Je l'aime énormément. J'ai pas trouvé beaucoup de couleurs se rapprochant à celui-ci. Donc là, c'est bleu lavande, le numéro 62. Il est superbe. J'aime beaucoup ce fard-là.
Alors, vous voyez, c'est vraiment... C'est un très très joli bleu lavande, j'aime énormément. Donc là, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Donc je vais prendre simplement l'embout mousse qu'il y a avec. Je viens donc prélever la couleur et je viens la déposer en ras de cils. Là, j'ai décidé de prendre donc le feutre liner de Bourjois, qui est vraiment très très bien. Je suis très contente du résultat qu'il donne. Donc c'est une mine assez fine quand même. Et donc non, maintenant, nous allons la déposer en ras de cils supérieur, mais vraiment à ras. Ça donne une fois le liner posé, vraiment, vous voyez, en ras de cils. On va donc appliquer le mascara. Donc j'ai décidé de prendre le Cat Eyes de Joué Maybelline, qui est vraiment, je crois, un de mes mascaras préférés. Il fait des cils très très allongés, très recourbés, j'aime énormément. Voilà, donc on va venir l'appliquer. Donc je vais bien à la racine, j'enroule mon cil, je fais ça tout le long et après je fais des zigzags pour bien séparer les cils, mais toujours en revenant à la racine. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Donc je trouve vraiment que cette couleur corail rosé avec ce bleu lavande, ça colle vraiment très bien. Donc là maintenant on va structurer un petit peu le visage, donc avec la terracotta de Guerlain. Donc c'est la poudre légère bronzante, la numéro 5 Sun Brunette, qui est vraiment magnifique. Elle est assez subtile mais elle est vraiment très très jolie. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau blush, pardon. Je viens donc en prélever et je vais venir en déposer sur l'os de ma joue. En faisant des petits mouvements circulaires, je remonte sur la tempe. Là, je descends et je vais sur la mâchoire. Je reviens là, hop. Là maintenant, je vais prendre donc un pinceau poudre. Voilà. Je viens estomper les bords. Donc vraiment pour ne pas donner de démarcation. Là maintenant je vais prendre donc deux blushs. Donc le premier ce sera un Millenie. Donc c'est le Coralina, le 08. Ils sont vraiment magnifiques ces blushs. Je ne connaissais pas, j'ai découvert ça sur la chaîne de Sananas. Et c'est magnifique. Ils ont vraiment des reflets superbes. Je me souhaite, je vais aller voir. C'est vraiment... C'est vraiment très sympa. En plus ils tiennent assez bien sur la peau. Donc voilà. Donc je reviens prendre mon pinceau biseauté que j'ai donc préalablement essuyé. Je viens donc prélever la couleur. Et donc je viens en mettre sur le bombé de mes joues. Faire attention parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Ça ressemble à une poupée russe. Je reviens donc prendre mon pinceau à poudre. Je viens tout ça, estomper tout ça. J'ai mon chat qui fait des bêtises derrière. Ensuite, je reviens d'en prendre mon pinceau biseauté. Et là, je vais prendre le blush de ELF, le Candide Coral, qui est magnifique. Il est très très beau. J'aime énormément. Vous voyez, je me suis tellement servie. Donc, je viens en prélever. Et là, j'en mets sur le bombé, toujours pareil. Pour donner un aspect un peu plus brillant. Un peu plus coral. Je reviens estomper. Donc voilà ce que ça donne. Une fois estompé. Donc là maintenant, pour donner un côté plus glowy au maquillage, j'ai décidé de prendre, donc c'est la poudre pour le visage, c'est Météorite de Guerlain, c'est les Gold Temptation, pardon. Donc vous allez voir, c'est très poudreux. Voilà. Et en fait, ce sont des toutes petites perles. De différentes couleurs et ça donne un aspect très très brillant. Donc je viens prendre un petit pinceau comme ceci, je trempe dedans et donc je viens en déposer sur les joues, le bombé de la joue. Je viens donc, je l'essuie, hein. Je viens donc en déposer sur l'arête de mon nez, l'arche de Cupidon.
sur les tempes un petit peu, j'aime bien aussi. Et le menton aussi, on veut un petit aspect. Voilà, c'est vraiment subtil, mais vraiment ça donne tout son éclat. En rouge à lèvres, donc j'ai voulu prendre la marque Rimmel, donc c'est le 214 Firecracker, qui est un espèce de corail un peu rosé, qui est vraiment très très bien, qui est magnifique. J'aime beaucoup cette couleur-là pour les rouges à lèvres, pour les make-up d'été, pardon, ça fait très joli. Donc j'ai préalablement donc hydraté mes lèvres, parce qu'elles sont assez sèches, et donc je vais venir appliquer par petites touches ce rouge à lèvres. J'espère que ce maquillage vous a plu. Je vous fais de gros bisous les filles. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Le 4 juin, j'ai décidé.